Moi, je me suis déjà fait harceler en petite section. Vu que mon nom de famille c'est Bonnet, on disait que j'avais toujours un bonnet sur la tête. Et vu que j'ai les cheveux frisés, on me traitait de mouton à chaque fois. On me mettait des coups. Pourquoi on harcèle les gens et pourquoi on insulte, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Bah, c'est sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a dit montre-moi ta photo ou autrement je te bloque. Bah, je l'ai bloqué. Dans notre collège, ça nous est arrivé il y a 2 ans. Il y a une jeune fille qui s'est fait harceler quand elle était en 6e et elle s'est suicidée en forêt, elle s'est pendue en forêt. C'est l'effet de groupe, qu'il y en a qui veulent se montrer fort, qui veulent se montrer mauvais, alors qu'en fait, ça leur va pas du tout. Fin... Je pense que les personnes qui harcèlent, elles s'en rendent pas forcément compte, parce que je pense qu'elles sont en détresse elles-mêmes. Et du coup, elles sont pas forcément soutenues de leur côté, donc elles ont besoin de mettre leur colère quelque part, et puis bah, sans faire exprès, elles reversent sur quelqu'un. Que vous le voyez dans la cour de récréation, en dehors de l'école ou sur Internet, le dire à vos parents, à vos enseignants, c'est essentiel. Pour ne pas arriver aux situations de suicide que vous évoquiez, il faut protéger celui ou celle qui est toute seule. Il faut que la personne à qui ça arrive, elle n'ait jamais honte et qu'elle le dise.